indépendante. Mais je vous dis que la Côte d'Ivoire n'a jamais été indépendante. Et nous le pouvons le 11 avril dernier. Alors nous invitons tous les Ivoiriens ici, à place du Trocadéro, nous allons marcher jusqu'à côté de l'ambassade, à la place du Torigo. Cette marche, tenez-vous bien, sera une marche silencieuse. Nous serons tous nous habillés en blanc. Et je vous demande de vous procurer des bougies. À chaque Ivoirien, sa bougie. Il y a des bougies pour la Côte d'Ivoire qui se vendent en ce moment à 5 euros. Il faut vous procurer ces bougies. Nous serons, dès que nous demeurons en marche, allumer les bougies symboliques pour démontrer à la France que la Côte d'Ivoire n'a jamais été indépendante et qu'elle est sous occupation française. Il y a encore une marche silencieuse, c'est du jamais vu. Ce jour, il n'y aura pas de musique, il n'y aura pas de musique de chanson. Nous allons marcher silencieusement pour commémorer le deuil de la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer les femmes et je voudrais vous présenter ce CD qui est un CD de la résistance, le CD de commandant Simeone. Le premier artiste qui a osé parler sur la télévision France 2 pour défendre la Côte d'Ivoire et défendre le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il est fiché et il compte sur la résistance. Il compte sur vous. Le CD coûte 5 euros. Procurez-vous le CD dès maintenant. Voilà que...